Aujourd'hui, je t'apprends le mouvement qui s'appelle Maya. Peut-être que tu connais, qui est très beau, pas si facile que ça. Alors, on y va. J'explique la théorie ici. Le Maya ou la Maya, c'est un 8 dans ce sens. C'est un 8 vertical que tu vas faire avec la hanche. C'est un 8 vertical. Tu montes, tu descends jusqu'au centre. Tu montes et tu descends. OK? C'est ça, ça il faut avoir en tête. On va voir si on me voit comme ça. Hop! Voyons voir. OK. Là, tu vois. Bien. Alors, pour ça, tu vas te mettre les pieds fermés. Ouais, très fermés. Un petit plié. OK. Et tu bascules comme toujours ta hanche en avant. D'accord? Voilà. Hop. Hanche en avant. D'une manière à ce que tu sentes les deux colonnes ici de ton temple. Bien ouvrir ici, relâcher là, comme d'habitude. Hein? Ok, les mains, tu les mets ici, n'importe, ce n'est pas les mains qui nous intéressent. On va faire d'abord le Maya sans, enfin, avec les pieds. Donc, tu peux t'aider avec les pieds. Je ne sais pas si tu vois mes pieds. Donc, je vais reculer un tout petit peu. Voilà. Ici, ce que tu fais, tu lèves la hanche. On prépare le mouvement. Tu lèves la hanche. On l'a déjà fait ça en décembre. Hop, tu lèves la hanche, tu descends. Tu lèves la hanche, tu descends. L'autre côté, lever, descendre. Bien rester, basculer la hanche en avant. Lever, descendre. OK. On lève, on pousse la hanche dehors. Et là, le talon descend et la hanche va aller ici. Ouais. Et maintenant, je pousse encore plus loin. Pas facile ça. On refait. Lever, pousser dehors, descendre le talon, pousser la hanche en bas. Alors, ce que la plupart des gens font, ils lèvent, ils poussent, descendent. Et quand je dis descendre ici, ils vont de l'autre côté. Non, hein. De là, et alors on va faire ça. Regarde, tu as une ligne horizontale ici. Pousse la hanche ici. Fais une fois ça. Pousser sur le côté. Pas facile. On le sent.